Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a salué dans un tweet le rôle des anciennes stars de la sélection nationale à l'étranger dans la commémoration de la mémoire populaire à travers l'organisation d'un match de gala dans la ville de Nanterre par le mouvement associatif du 17 octobre 1961. Nous parlerons également du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, prononcé, rappelez-vous, hier à l'occasion de l'ouverture de la Ligue 2021-2022. Le discours a tracé les contours d'une nouvelle étape qui jette les bases d'une justice permettant aux magistrats de s'acquitter de ses missions dans de meilleures conditions. Retour sur cet événement important dans ce journal. On parle également ce soir d'Ayman Abdallah, représente le président de la République. Il a été reçu par le prince héritier saoudien avant de prendre part à l'ouverture du sommet de l'initiative Moyen-Orient vert. Le ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud, réitère depuis Alger le soutien indéfectible de l'Algérie à l'égard du Niger, dans divers domaines, à l'ouverture des travaux de la 7e session du comité mixte frontalier algéro-nigérien. Et puis nous sommes le 25 octobre, journée nationale de l'arbre, une journée qui marque le début de la campagne de reboisement de grande envergure qui a pris le départ depuis Khanchla à travers tout le pays. Pour en parler, je reçois ce soir Madame Ilham Kabouya, directrice de la protection de la faune et de la flore à la Direction générale des forêts. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a salué ce lundi le rôle des anciennes stars à l'étranger dans la commémoration de la mémoire populaire à travers l'organisation d'un match de gala dans la ville de Nanterre en France par le mouvement associatif du 17 octobre 1961. Le contenu de ce message, je cite donc, je tiens à rendre hommage d'abord à toutes les anciennes stars de notre sélection nationale qui portent toujours dans leur cœur le poids des épreuves historiques du pays. Le match de gala organisé à Nanterre par le mouvement associatif du 17 octobre 1961 en commémoration de l'anniversaire des massacres était une initiative sportive louable. Je tiens à vous adresser au nom de tous les Algériens et en mon nom personnel mes vifs remerciements, a écrit encore le président de la République sur son compte officiel Twitter. On parle justement de ce match gala réunissant les grands noms du football algérien de ces 30 dernières années, si ce n'est les 40 dernières années pour être précis, réalisé par le collectif donc du 17 octobre à Nanterre. Rafa Belhouchette, notre correspondante à Paris, était présente. Visage souriant, regard complice et allure fière, à croire que le temps n'a rien écorché de l'éclat de ces étoiles qui ont hissé haut et fort l'emblème national et ont été les bâtisseurs de la renommée internationale du football algérien. Des retrouvailles exceptionnelles pour un rendez-vous historique, un match gala qui vient clôturer la séquence mémorielle consacrée aux 60e commémoration des massacres du 17 octobre 61. Franchement, j'ai les larmes aux yeux quand tu vois des gens qui ont battu l'Allemagne, qui sont simples, qui viennent ici pour le 17 octobre, pour honorer l'Algérie. C'est des vrais patriotes. Ils n'ont jamais oublié leur pays. Tu vois, Dahleb, Qourichi, Tlemcani, Zidane, ils sont tous venus à l'appel de Jamaï pour le 17 octobre. C'est magnifique. J'aurais aimé moi aussi jouer, mais je ne peux pas. Mais c'est un plaisir d'être présent. On est présent avec eux et on partage tout avec eux. C'est un match de gala, pouvoir perpétuer la mémoire de tout ce qui s'est passé, je crois que c'est surtout ça qu'il faut reconnaître aujourd'hui. C'était ça l'important. Il y a encore beaucoup de choses à faire donc pour arriver à ce qu'il y ait une vraie reconnaissance de ce qui s'est passé. Il ne faut pas que l'histoire oublie ces enfants qui sont partis à cette date-là. Donc c'est pour ça que chaque année, on est là pour célébrer et rendre hommage à ceux qui sont partis. Une fois le coup d'envoi donné par le consul algérien à Nanterre, nos héros n'ont pas épargné d'efforts face à une équipe certes plus jeune, celle des Red Star Ball. Et bien qu'ils aient mouillé le maillot, le coach les secoue à la mi-temps. Oui, parce qu'il ne faisait pas ce qu'il fallait. Indépendamment des résultats, ce spectacle fait chaud au cœur aux Algériens à Nanterre et au-delà. Et pour cause, ces mordus de football gardent un œil sur l'avenir proche, celui plus prometteur de notre sélection nationale dirigée par une main de maître, celle de Jamel Belmadi, que les anciens soutiennent et encouragent. Chaque année, cette équipe d'Algérie, elle progresse. Et avec Jamel Belmadi, qui est un entraîneur qui a fédéré surtout sur une qualité
qui est propre maintenant sur les nouvelles générations, c'est la gestion humaine. Et il a su fédérer cette gestion humaine de façon à ce que dans cette équipe, il ait un groupe qui soit uni. Ils n'ont pas besoin de motivation, d'avoir des encouragements de X ou les Y. C'est une équipe nationale qui est mature. Donc, ils ont beaucoup de choses. Et Inch'Allah, ils vont le démontrer dans les prochaines échéances, Inch'Allah. Et on leur souhaite encore de continuer sur la voie qu'ils se sont tracés, qu'ils sont en train de sillonner l'Afrique. Et bien sûr, on attend... La Coupe du Monde. Elle est bien. Il y a eu beaucoup de travail. C'est champion d'Afrique. J'espère que ça va continuer. Hein. Non, on ne va pas s'arrêter. D'excellents joueurs. Un petit mot pour les joueurs, justement, de l'équipe actuelle. Ils vont nous y encourager. C'est en Coupe du Monde. C'est l'essentiel. Hein. C'est ça. Voilà, d'aller plus loin. Et puis ils peuvent faire beaucoup de choses aussi. On est les plus hauts messieurs nationaux. Ces stars du football repartent tous avec des modestes trophées symboliques. Ils attendent, comme nous tous, le grand trophée sous les pieds. Voilà donc pour ce match gala. On parle également ce soir du discours du président de la République, Majid Boone, qui a été prononcé hier à l'occasion de l'ouverture de l'année judiciaire 2021-2022. C'est un discours qui a tracé les contours d'une nouvelle étape qui jette les bases d'une justice permettant aux magistrats de s'acquitter de ses missions dans les meilleures conditions ou... prévaudra la suprématie de la loi. Amel Esselitera. La cérémonie d'ouverture de la nouvelle année judiciaire 2021-2022 vient raviver une tradition consacrée dans les us de l'État et dans l'institution judiciaire. Une occasion à travers laquelle le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé son attachement à accorder au pouvoir judiciaire la place privilégiée qui lui sied. Le chef de l'État a également passé en revue les étapes et les acquis réalisés par le secteur de la justice, rappelant les objectifs escomptés, d'esquisser les contours futurs afin de parachever l'édification de l'État de droit et jeter les bases d'un pouvoir judiciaire solide, indépendant et efficient, à même de renforcer la confiance du citoyen envers l'État. Le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, a réitéré son engagement devant Dieu et devant tout le peuple algérien à satisfaire ses revendications et ses aspirations légitimes pour un changement global et véritable devant déboucher sur un redressement national et assurer un nouveau départ pour notre pays et permettre à nos concitoyens de vivre au sein d'une Algérie démocratique. Un changement atteint, rappelle-t-il, grâce au respect des étapes, à commencer par l'amendement constitutionnel plébiscité par le peuple, puis la construction d'un nouvel édifice institutionnel à travers l'organisation des élections législatives. Des élections qui ont permis à l'État d'exclure les détenteurs de l'argent sale, à travers la révision du régime électoral, dans le but de moraliser la vie politique, contrer l'influence de l'argent sale sur le processus électoral et laisser la place aux jeunes en leur apportant tout le soutien pour pouvoir participer à la prise de décision, souligne le président de la République. Le chef de l'État a par ailleurs précisé la nécessité pour tout un chacun, sans exception et qu'importe sa position au sein de l'État, de respecter les décisions de la justice et de veiller à leur exécution. Une condition fondamentale et essentielle participant à la souveraineté du peuple, dans la mesure où, rappelle le président, les jugements sont rendus au nom du peuple algérien et traduisent dans les faits l'esprit de la loi et les objectifs voulus par le législateur à travers des lois votées par les représentants du peuple. On ne saurait construire un état de droit si le citoyen en possession d'un jugement rendu en sa faveur n'est pas en mesure de prendre son droit, poursuit le président de la République, qui a rappelé que les réformes engagées dans le secteur de la justice ont permis d'accorder toute l'initiative de gestion des affaires des magistrats au Conseil supérieur de la magistrature. Il s'agit là de garanties qui seront concrétisées avec la promulgation de la loi organique portant statut des magistrats et celle relative au Conseil supérieur de la magistrature. Abdelmadjid Tebboune a enfin instruit le gouvernement à l'effet d'accélérer l'examen de ces deux lois en vue de leur présentation au Parlement.
À l'Assemblée populaire nationale, des débats ont eu lieu aujourd'hui pour mettre en évidence le concept de guerre par procuration engagée contre notre pays. Des députés issus de l'immigration, mais également des élus locaux, se sont insurgés contre des pratiques parlementaires douteuses du côté français. Un grave précédent d'ingérence qui doit être dénoncé, mais surtout condamné. La couverture de Nesrine Benzaidi. Ils étaient unanimes à dénoncer les propos du président français Emmanuel Macron et des résolutions du Parlement français dénonçant les droits de l'homme en Algérie. Pour les représentants de l'Assemblée populaire nationale, les groupes parlementaires, experts et représentants de la communauté nationale en France, cette résolution truffée d'accusations est une ingérence dans les affaires internes du pays. Le Parlement français يتجاهل كون الجزائر دولة مستقلة كاملة السيادة تعمل وفق منظور مؤسساتي ويجهل تماما واقع الوضع السياسي في الجزائر وتحولاته النوعية المستمرة وكل ما يقوم به من تحاليل وخرجات استعراضية مبني على أشخاص ولوبيات منطقات استعملت pour ça qu'aujourd'hui nous on est venu ici exprimer un petit peu notre soutien à notre pays d'abord et aussi rappeler à Monsieur Macron que l'Algérie a une histoire, que c'est un pays souverain et qui est aujourd'hui indépendant depuis longue date et qui est justement, aujourd'hui, à des partenaires qui sont autres que la France. Lors de ce symposium parlementaire, sous le slogan « Parlement français, stop aux guerres par procuration », les experts juridiques ont qualifié cette tentative d'ingérence d'un précédent qu'il faut absolument condamner. Nous sommes deux pays indépendants. Nous faisons partie tous les deux du concert des nations. Nous avons chacun son peuple, son territoire, sa nation, ses traditions et sa culture. Où on se respecte les uns les autres et les choses pourraient s'améliorer, où on ne se respecte pas et on ne se laissera pas faire. Les groupes parlementaires, quant à eux, ont souligné que l'Assemblée populaire nationale conservait ses pleins droits de réponse, notamment en mettant en œuvre les mécanismes juridiques qui lui étaient habilités à proposer des lois dissuasives à cet égard. Nous refusons toute ingérence étrangère dans les affaires personnelles du pays. Et nous avons aussi étudié les possibilités légales pour une bonne réponse à ces propos. À la fin de cette rencontre, le président de l'Assemblée populaire nationale, Ibrahim Bourali, a reçu les participants pour annoncer les résolutions déplorant ces tentatives d'ingérence dans les affaires internes de l'Algérie. Le Premier ministre, ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman, représentant le président de la République, s'est rendu en Arabie Saoudite. Il a été reçu par le prince héritier saoudien, président du Conseil des ministres, ministre de la Défense, le prince Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Voilà donc le Premier ministre reçu donc par les autorités saoudiennes. Et puis dans une allocution prononcée à l'ouverture du sommet de l'initiative Moyen-Orient vert, le Premier ministre a souligné que ce sommet se tient dans une conjoncture spéciale que traverse le monde entier à cause de la pandémie de la Covid-19 et qui a contraint tout le monde à faire face à de nouveaux défis qui viennent s'ajouter à une panoplie de dossiers et de thèmes qui préoccupent les gouvernements et les peuples. Je vous invite à écouter la déclaration du Premier ministre. تثمن هذه الجهود وتبقى على أتم الاستعداد لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وكل مبادرة مماثلة من شأنها كبح ارتفاع درجة حرارة المناخ ومكافحة التصحر والجفاف وحرائق الغابات التي لم تسلم منها المنطقة العربية ولبلوغ ذلك يتعين علينا أن نلبي نداء المناخ ونضم صوتنا وجهودنا إلى أشغال هذه القمة المباركة على أمل أن تكون التوصيات المشتركة التي ستصدر عنها هادفة وفعالة بما يمكن من تعميمها على كامل المنطقة لا سيما أنها تتمتع بخصائص مناخية متقاربة وبما يجعلها مرجعاً في أشغال مجموعة 20 ومؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي
السادس والعشرين في نوفمبر القادم. وقد تجسدت الأهمية التي توليها الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لهذا التحدي من خلال دسترة وتكريس البيئة والتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وبالنظر إلى سياساتها للتغلب على كل التحديات ذات الصلة والدفع بعجلة التنمية المستدامة بكل أبعادها وتعزيز جهودها أكثر لأجل استدامتها للأجيال القادمة. وفي هذا السياق تجدد الجزائر كما سبق وفعلت في عدة مناسبات عالمية وإقليمية التزامها بمكافحة تغير المناخ ولعب دور فعال في هذا المجال، لا سيما من خلال مخططها الوطني للمناخ للفترة من 20 إلى 30، والذي يعتبر أداة عملية لتطبيق السياسة الوطنية العشرية لمكافحة التغيرات المناخية وتنمية الاقتصاد الأخضر. Et puis en marge de ces travaux, des travaux de ce sommet, le Premier ministre a reçu la chef du gouvernement tunisien, Najla Bouden. Les deux parties ont soulevé lors de cette rencontre les relations, ont évoqué plutôt les relations bilatérales et plusieurs questions d'intérêt commun. Alors, il faut rappeler aussi que le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, est arrivé un peu plus tôt dans la journée dans la capitale de l'Arabie Saoudite, à Riyad, représentant du président de la République, il faut le rappeler, pour prendre part à ces travaux du sommet d'initiative du Moyen-Orient vert. Bien entendu, à l'aéroport, il a été reçu par le roi Khaled, par le prince de la province de Riyad, par intérim, son Altesse royale, le prince Mohammed Ben Abdelrahman Ben Abdelaziz, et l'ambassadeur d'Algérie en Arabie Saoudite, Ahmed Abdelsadouk. Le ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger, Lamtala Mamra, était à Kigali ce lundi pour échanger avec son homologue rwandais Vincent Biruta sur les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale peu avant l'entame des travaux de la réunion ministérielle Union africaine-Union européenne. Lors de cette rencontre, à laquelle on part les délégations des deux pays, les deux responsables ont abordé les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre l'Algérie et le Rwanda. On revient en Algérie pour parler également de ces travaux de la 7e session du comité mixte frontalier algéro-nigérien. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et d'aménagement du territoire, Kamel Bouhoud, a réitéré le soutien d'effectifs de l'Algérie à l'État du Niger dans les domaines de la formation, la modernisation de l'administration et le développement local, et sa pleine disposition à mettre son expérience au profit de ce pays voisin, supervisant, il faut le rappeler, les travaux de cette session. Et en présence de son homologue nigérien Al-Kash Al-Hada, le ministre a fait état de programmes de formation à mettre en place avec les nécessités de la partie nigérienne, notamment dans la formation policière et la protection civile. Notez que le ministre de l'Intérieur a eu également un entretien en tête-à-tête avec son homologue du Niger peu avant le début de ses travaux, de cette septième session, je le rappelle, du comité mixte frontalier algérien. Notez cette réaction, la réaction de l'Algérie. L'Algérie qui exprime sa profonde inquiétude quant à l'évolution de la situation en République du Soudan et insiste sur l'impératif de faire preuve d'un grand sens de responsabilité et de s'abstenir de tout acte susceptible d'attenter aux acquis de la transition ou la sécurité des citoyens. À cet effet, l'Algérie invite toutes les villes et militaires au Soudan au dialogue pour mettre fin à la crise et faire face aux défis sécuritaires et politiques auxquels est confronté l'Algérie, notamment en cette étape cruciale de son histoire contemporaine, et ce en référant aux conventions contenues dans la Constitution et à l'accord de Juba, afin de garantir la consécration des aspirations légitimes du peuple soudanais frère, soulignant le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Nous arrivons au dossier de ce journal. Nous sommes le 25 octobre, journée nationale
l'arbre. Une journée qui marque le début de la campagne de reboisement de grande envergure à travers le pays. Tout le monde est appelé à participer. Le coup d'envoi officiel a eu lieu à Khenchla, une wilaya qui a grandement souffert, comme d'autres wilayas du pays, des incendies criminels. On voit cela en image avec Raouf Hamouch. L'été dernier, plusieurs hectares de forêt à travers le pays sont partis en fumée. Aujourd'hui, une vaste opération nationale de reboisement est lancée depuis la commune de Tamza à Khenchla. Parmi ses acteurs les plus actifs, la protection civile, en collaboration avec les éléments de l'armée nationale populaire et des associations de la société civile, était sur un pied de guerre pour planter des milliers d'arbres. Nous sommes un groupe d'étudiants de Ain Mlia pour participer à cette vaste campagne de reboisement ici à Khenchla. Aujourd'hui, notre pays a besoin de nous pour cette campagne de reboisement après que des milliers d'hectares soient décimés. Il est très important d'inculquer ce genre d'initiative à nos enfants. Une campagne nationale de reboisement qui coïncide avec la célébration de la Journée nationale de l'arbre et qui revêt une grande importance en vue d'atteindre les objectifs escomptés à travers l'élaboration du programme de lutte contre la désertification et la relance du barrage vert. Suite aux instructions du ministre de l'Agriculture, nous avons planté 7000 arbustes à vocation économique. Nous avons donné le coup d'envoi de cette campagne nationale de reboisement depuis Khenchla, qui s'étalera par la suite aux autres wilayas du pays, et se poursuivra jusqu'au mois de mars, voire même jusqu'au mois de juin. En mars, rencontre nationale sur la réhabilitation des systèmes écologiques forestiers, une instance nationale de coordination dans le cadre de la lutte contre la désertification et la relance du barrage vert a été installée. Alors pour en parler, je reçois avec moi ce soir sur le plateau Madame Ilham Kabouya. Vous êtes directrice de la protection de la faune et de la flore à la Direction générale des forêts. Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame. Et bien heureux de vous recevoir aujourd'hui parce que nous avons eu à vous recevoir par le passé au mois de juillet où la situation était un peu plus compliquée, où nous faisions face à des incendies criminels qui ont touché justement la wilaya de Khenchla et nous en parlions d'ailleurs sur ce plateau. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a ce qu'on appelle une forme de renaissance, c'est la forêt qui renaît de ses cendres. Cette opération, comment vous la voyez, madame ? D'abord, c'est vrai que cet été, ça a été quand même un été désastreux par rapport aux incendies, beaucoup d'incendies, notamment dans la wilaya de Khenchla au mois de juillet, puisque près de 1000 hectares ont été incendiés au niveau de cette wilaya. Donc le lancement de l'opération, de la campagne de reboisement à partir de cette wilaya donc n'est pas anodin, vous imaginez bien. Cette campagne de reboisement nouvelle approche pour cette année. Donc au vu de ce que nous avons planté et fait les années précédentes, on s'est bien rendu compte que juste de planter, mais il y a tout le suivi des plantations qui vont faire après. Et c'est bien pour ça que cette fois-ci, nous avons essayé d'impliquer et de responsabiliser les associations. Et donc, dans cette nouvelle approche, dans ce nouveau programme de restauration donc des forêts incendiées, la réhabilitation, donc nous avons pensé à donner des parcelles de terrain situées dans le forestier national à des associations, leur fournissant les plans nécessaires, mais ces associations vont s'engager à travers une convention signée pas avec les conservations des forêts territorialement compétentes à assurer le suivi et l'entretien de ces plans et de ces parcelles. Donc c'est une nouvelle approche qui se veut, c'est-à-dire une approche participative, certes, mais surtout de sensibilisation et de responsabilité. Donc nous essayons de responsabiliser toutes ces personnes pour en fait arriver l'objectif, bien évidemment, et la réussite de ces plantations. Parce que quand on voit les années précédentes, le taux de réussite de reboisement reste quand même assez faible. C'est vrai que c'est tout l'intérêt d'avoir initié cette nouveauté, exactement. D'inciter. Parce que oui. Au moment, il y a eu beaucoup de campagnes de plantation, énormément de monde y participe, hein, que ce soit. Il y a une implication conjoncturelle, peut-être. Conjoncturelle, oui. Pour la plantation, mais ensuite, par la suite, plus personne. Parce qu'un arbre, il faut un suivi, il faut un entretien régulier. Ces conventions qui seront signées, c'est des conventions sur 2 et 3 ans.
Donc c'est pas uniquement sur un mois ou deux, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'administration forestière est là pour assurer le suivi technique et l'encadrement technique de ces associations, leur montrer comment il faut débroussailler, comment il faut désherber, quand est-ce qu'il faut arroser et tout le nécessaire pour assurer la durabilité et la réussite de ces plantations. Je pose une question. Oui. Je suis à la tête d'une association ou simple citoyen. J'ai envie de participer à cette campagne. Comment je fais ? Alors, une plateforme a été élaborée qui est sur le site du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Donc, c'est madre.gov.dz. madre.gov.dz. Voilà. Donc, vous avez toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez participer à ce programme, que ce soit pour les particuliers, pour les associations ou même pour les entreprises publiques-privées, puisque beaucoup sont intéressés par ce programme, ne serait-ce que soit par l'achat de plants pour les associations ou tout simplement pour aussi aller vers des plantations et assurer d'un suivi régulier de ces plantations. Alors c'est une opération d'envergure, elle débute aujourd'hui, elle s'étale sur combien de jours ? La campagne de reboisement commence au mois d'octobre et s'achève au mois de mars. Elle a commencé aujourd'hui et s'achèvera le 21 mars, Inch'Allah. Juste pour vous dire que les associations, il y en a déjà 362 qui ont signé des conventions sur 41 wilayas. C'est une implication. C'est une implication. Qui n'est pas à c'est quand même important. Donc il y a, vous ressentez cette sensibilité, cette responsabilité de nos concitoyens qui ont tous vécu ces drames. Oui. Justement, si déjà nous avons élaboré cette plateforme, c'est parce qu'il y a énormément de demandes. Donc nous, au préalable, ce que l'administration a fait, c'est de dégager les parcelles de terrain ou susceptibles d'être plantées ou reboisées ou repeuplées. Le choix des espèces, bien sûr, donc ça revient à l'administration des forêts, mais ensuite donc toutes ces personnes, ces associations, ces particuliers qui veulent s'investir dans ces plantations, en tout cas ils seront les bienvenus. Merci madame, je relèverai bien sûr sur les images que nous avons vues tout à l'heure, l'implication encore une fois de l'armée nationale populaire qui était là pour éteindre les feux de forêt et qui est là encore une fois pour planter et participer avec nos concitoyens. On leur bien sûr adresse tous les remerciements à nos éléments des forces armées qui ont toujours été présents lors de ces événements. Madame Ilham Kabouya, merci. Je rappelle, vous êtes directrice de la protection de la faune et de la flore à la Direction générale des forêts. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et au plaisir de vous recevoir peut-être dans quelques semaines pour faire le bilan de cette opération. Inch'Allah. Alors, on parle également aujourd'hui de l'opération de la Journée nationale de dons de sang avec cette cérémonie organisée par l'Agence nationale de sang au niveau d'Alger. Et c'était une occasion pour le ministre de la Santé de déclarer que son département est sur le point de mettre en œuvre trois stratégies nationales pour la transfusion sanguine avec l'appui technique du Bureau de l'Organisation mondiale de la santé en Algérie. La promotion de dons de sang fait partie de la stratégie nationale, a encore ajouté le ministre de la Santé en insistant sur la promotion de la culture de dons de sang dans notre société, notamment dans la frange des plus jeunes. Parlons également de cet événement dans le sud, à Djanet. Le général directeur de service national a présidé aujourd'hui l'ouverture du centre de service national à Djanet en 4e région militaire, et ce en présence des autorités civiles et militaires et les notables de la région. La création de ce nouveau centre traduit la détermination du haut commandement de l'armée nationale populaire à renforcer la cohésion entre le peuple et son armée et à œuvrer constamment à rapprocher l'administration du citoyen. L'actualité aussi, on parle aussi des unités de l'armée populaire de libération sahraoui qui ont mené de nouvelles attaques contre les positions des forces d'occupation marocaines et ces structures militaires déployées le long du mur de la honte. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère sahraoui de la Défense dans son communiqué militaire numéro 346. Alors les détachements avancés de la PLS ont bombardé ces deux derniers jours les points de retranchement de l'armée marocaine dans les régions de Akrara, l'Hadid, dans le secteur de Falsiyat Doumès et à El Bakari, et également à Oudi Dahmran, à Abiret Nouched, selon toujours le même communiqué qui nous est parvenu.
Nous allons à présent vers l'ouest du pays, parler de la capitale, une capitale pas comme les autres, bâtie en 1835 à Mascara. Nous parlons de la Zmala de l'émir Abdelkader, des vestiges qui témoignent du génie de l'émir, qui est un lieu culturel riche en histoire et qui nécessite plus d'attention. Siham Kellouch. Des vestiges qui racontent l'histoire d'une capitale pas comme les autres. Une capitale mobile qui peut se déplacer facilement afin de brouiller la stratégie du colonisateur français et de son armée. Il s'agit de la Zmala de l'émir Abdelkader. En 1835, Clausel, le gouverneur d'Oran, a attaqué Mascar. L'émir a ordonné à tous les habitants de Mascar de quitter la ville. Et c'est là qu'il a eu l'idée de bâtir cette capitale, une capitale assez extraordinaire pour abriter tout le monde. Elle se trouve entre Mascar et Tirannif. L'émir a voulu que sa capitale, sa Zmala, soit mobile. Il pourra, comme cela, éviter les attaques de l'armée française. C'est véritablement un patrimoine qu'il faut préserver. La Zmala était en fait un regroupement de tentes en laine, en forme de cercle. Le tout était entouré d'une muraille. Le reste de ces murs ont été classés au patrimoine national, en même temps que le bain de l'émir, qui a été restauré. Et puis, ce verger, un verger d'olivier. Ces murs ont abrité la Zmala de l'émir Abdelkader. Il y avait toute son administration, son armurerie, l'armée tout entière, les gens qui venaient s'y abriter. Le lieu est un témoignage sur l'histoire, un lieu historique et culturel auquel les autorités ont ajouté une bibliothèque pleine de livres qui racontent l'histoire de l'émir Abdelkader. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.